Bonjour à tous, ici As2, nouvelle vidéo sur Escape from Tarkov, une nouvelle quête, les deux dernières de Thérapiste. Il s'agit de Healthcare Privacy, partie 4 et 5. Alors tout d'abord, la partie 4 est extrêmement simple. Normalement, si vous jouez, vous avez joué de manière normale, la 4 est forcément terminée. En fait, vous devez simplement avoir votre niveau, votre skill de health à 8 ou plus. Le skill de health qui augmente automatiquement quand vous augmentez votre endurance et votre force. Donc normalement, il n'y a pas trop de problèmes. Par contre, bien plus compliqué, la quête Healthcare Privacy partie 5. Alors, elle est compliquée sur deux points. Le premier, vous devez trouver 3 gunpowder. Et actuellement, il n'y a pas de spawn fixe de gunpowder et elles sont extrêmement rares. Alors pour ma part, pendant 2 jours, j'ai cherché des gunpowder sans en trouver. Je cherchais sur Shoreline sous les conseils de Daddy Slug. Et là je faisais des runs normales sur Woods, stuffé et tout. Et sur Woods, il y a un cercle, un peu comme il y a dans la Market Room. Et sur ce cercle, eh bien il se trouve que j'ai trouvé 2 gunpowder en 2 runs différentes bien sûr, mais ça m'a pris c'était espacé de 5 ou 6 runs vraiment seulement, pas plus. Et la troisième, j'ai eu de la chance, je l'ai trouvé dans un duffel également sur Wood. Donc vraisemblablement ils peuvent spawner sur le cercle dans Woods, donc je suppose également sur dans le cercle de la Market Room. Ils peuvent spawner dans les duffels. J'ai vu Deadly Slug qui en a trouvé en loose sur des armoires sur Shoreline justement. Ils peuvent également apparaître dans des casiers un petit peu partout, et dans les sacs d'escabes également. Donc pensez à fouiller les sacs d'escabes. Mais ceci n'est que la première partie. Trouver les 3 gunpowder, ce n'est que la première partie. La deuxième, et celle-ci, je vous assure qu'elle est vraiment pas facile, vous devez aller poser ces 3 gunpowder sur Factory. Et de nuit. Alors, je vous le montre ici hors ligne. Comme ça, vous avez le temps un petit peu de voir exactement où il faut aller. C'est dans la porte qu'il faut breach. Alors, je crois même qu'il n'y a plus besoin de la breach. En tout cas, de nuit, il n'y a pas besoin de la breach, cette porte. Donc, vous allez dedans, vous allez avoir un petit signal sonore et pour vous indiquer que vous êtes au bon endroit. Une fois que vous avez eu le signal sonore, vous pressez F pendant 30 secondes. Par gunpowder. Oui, ça prend énormément de temps, c'est extrêmement dangereux. Donc, évidemment, tout d'abord, transportez vos gunpowder dans votre pouch. Alors, j'ai pas pu tester parce que j'ai réussi à poser les 3 d'un coup. Mais si vous avez le tout petit pouch, prenez-en déjà 2. Faites-en 2, puis vous faites la troisième par la suite. Honnêtement, je pense que ça passe, mais c'est sans garantie, vraiment. Et du coup, je sais pas si vous êtes tué pendant que vous êtes en train de le poser. Je sais pas si la gunpowder est perdue, etc. Moi, quoi qu'il en soit, j'ai eu de la chance. J'ai fait une première fois une run mid-stuff, mais sans vision nocturne. Pour essayer d'aller les poser, je me suis fait buter dans le corridor. Alors, heureusement, j'avais mes gunpowder dans le sac, dans le pouch. Et la deuxième, je l'ai fait full hachette. En mode, j'ai rien à perdre, j'ai pas d'armes, j'ai rien du tout, donc j'y vais en courant. J'ai galéré un petit peu à trouver la porte. Je suis d'abord resté dans le bureau en pensant que j'étais au bon endroit. Et ensuite, j'ai pu les poser tranquillement. Et par chance, je me suis fait buter, mais quelque chose comme 20 secondes après avoir posé la dernière. Donc voilà, et du coup, cette quête, très honnêtement, elle est worth à faire parce que vous gagnez une money case qui coûte, je rappelle, une money case, c'est 4 gold chain et une Rolex. Et il faut que vous soyez au moins niveau 35 pour les acheter. Donc la money case fait toujours plaisir. Et la money case, qu'est-ce qu'elle fait très exactement? En fait, c'est un conteneur dans lequel vous pouvez mettre uniquement de l'argent, mais vous pouvez mettre 3 600 000 roubles d'argent. Donc pour 6 cases dans votre stash, vous avez 36 cases pardon, dans la money case pour de l'argent. Donc voilà, c'est super pratique. Voilà, c'est tout pour cette quête un petit peu complexe. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Et on se retrouve bientôt pour la suite. C'était As2. Ciao.